Il y a de l'intensité hein, sur ce ring ce soir. Elles sont motivées toutes les deux à gagner ce titre. Et elle avance, hein, cette Suédoise. Il y a ce tempérament chez Estelle qui est intéressant parce qu'on sait son parcours qui développe puisqu'elle est ingénieure et qu'il y a toujours beaucoup de réflexion chez elle. Mais cette transformation dont elle est capable de faire sur un ring lorsqu'elle se met en mode, je n'aime pas l'expression guerrière, mais qu'elle change d'attitude complètement, oui, et qu'elle va au combat. Oui. Parce que la boxe est un combat, ce n'est pas juste l'escrime des points, éviter, toucher, mais lorsqu'il y a un enjeu, comme c'était le cas aux Jeux Olympiques, sur une distance certes bien plus courte, mais lorsqu'il y a quelque chose de capital au bout, il y a la volonté de prendre des risques et donc de se transcender. Et c'est le cas, même si elle est encore très perfectible, et tant mieux, parce que n'oublions pas, c'est seulement son cinquième combat ce soir. Ce soir, oui, complètement. Alors, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite chez les féminines. Hein. Parce que la concurrence est moindre. Oui, c'est bien, les enchaînements. Mais les titres, on l'a même bien pas l'heure chez les hommes. Là, Estelle, hein. Elle baisse les bras. Ouais, c'est bien, elle prend la bonne température, ouais. Là, c'est bien, ouais.